ओम शांति। शांति ओम अभिज्ञान शांति। में आपका स्वागत है। आज दिन 20 Bienvenue à Vie Active Paribas. C'est le सितंबर jour 20. Siddhi Svarup, l'accomplissement d'une action. Voici maintenant Mohini Didi. Om Shanti, Om Samita. Shanti. अब तो महसूस होता है कि अभ्यास करना जितना जरूरी है, क्योंकि अभ्यास जब करते हैं तो Maintenant, je sens que la pratique est nécessaire parce que lorsque nous pratiquons, nous avons une expérience. क्या संस्कार है उसका भी पता लगता है, क्योंकि Et on découvre les sanskars subtils que nous avons. Et nous gardons la conscience et on veut que les pensées soient en conséquence. Je voulais être l'incarnation de la compassion, qu'il y ait de la compassion. Et le sentiment de l'amour qui émerge et la bienveillance. Combien de fois, par notre attitude et notre vision, notre drishti, nous exprimons ce sentiment de compassion à travers nos pensées, nos actions, peu importe comment. L'âme est faible. Baba a dit, soyez l'image du donneur. Il y a plusieurs âmes que nous voyons. Elles comprennent et elles se ressentent. Et s'il manque quelque chose, que pouvons-nous faire pour combler ce manque dans ses, en ses âmes. Mais les sentiments aimants, on doit sentir que c'est facile, mais si on sait que l'on pense que c'est une tâche, on n'a pas ces sentiments d'amour en soi. Comment instiller ces sentiments goutte à goutte dans ses âmes? Alors, pensez avec compassion. Et comment être un bienfaiteur? Comment puis-je aider cette âme? Parce que la fortune est créée par des actions élevées. Tout le monde aime le service. Mais même le service apporte les sentiments et quoi que soit la tâche ou les actions, s'il y a ce, il doit savoir que c'est un service spirituel. Et si c'est une tâche ou du bénévolat, c'est autre chose. Alors, plusieurs âmes, ça a été mon expérience aujourd'hui, que plusieurs âmes ont besoin d'un peu d'aide supplémentaire pour maintenir ces sentiments pour qu'elles puissent progresser. Et plus on a le sentiment de compassion,
Et quand on a cette générosité, pardon, du cœur, que l'on appelle cela la générosité ou la charité, une est une action élevée, la générosité, et l'autre action est charitable. C'est une pensée très élevée. Donc, la donation et les dons et la charité. La charité, punya, cela veut dire que l'on donne, on comble l'âme au moment où il en a besoin pour qu'il ressente le bonheur ou pour qu'elle ressente le bonheur. Si quelqu'un a vraiment besoin de quelque chose, besoin d'aide, et que l'on donne notre coopération au bon moment, il y aura beaucoup de bénédictions qui émergeront du cœur de cette âme. Et sur le chemin de la dévotion, si on donne à boire à quelqu'un qui a soif, la charité en aide, ils emplissent des chaudrons d'eau en Inde pour donner à boire, et ils engagent quelqu'un qui emplissent continuellement ce pot, ce contenant, pour que toutes les personnes qui passent puissent avoir à boire. Donc, pour la richesse, c'est la même chose. C'est le chit, donc la conscience, ce qui est nécessaire pour chaque âme au bon moment. Si quelqu'un ne se sent pas bien, la façon douce avec laquelle on entre en contact avec cette âme, c'est aussi un acte de charité. Ce genre de pensée qui émerge sont un genre d'accomplissement. Si mes pensées sont toujours élevées et emplies de compassion, emplies de générosité, si ces pensées deviennent naturellement comme cela, c'est aussi un accomplissement siddhi. La première siddhi, c'est notre niveau. Et cela vient de nos pensées élevées. Et si on émerge continuellement notre conscience, notre niveau de conscience de l'âme, et si la qualité de nos pensées, quelle que soit la vertu que l'on choisit, si elles sont liées à ces pensées, c'est un grand accomplissement. Il y a beaucoup de pouvoir dans chacune des pensées et on recevra les bénédictions de chacun. Et aussi l'âme le sentira, le ressentira, et l'âme ressentira son niveau volant. Et ils auront l'expérience de Baba, que Baba est très, très proche, parce que Baba a les mêmes vertus que nous. Baba aussi a de la compassion. Comment peut-on faire des actions charitables selon notre conscience et le type de pensée que nous avons? Ces pensées deviennent des bénédictions pour les autres âmes. Baba dit, on doit devenir le donneur de bénédictions, non pas seulement le donneur de fortune. Aussitôt que l'on dit « tout ira bien » et que cela se passe, vous avez fait un acte très élevé, une action très élevée. Quand naturellement, les paroles qui émergent de votre bouche sont élevées, c'est automatiquement quelque chose qui, de l'ordre de l'accomplissement, cela donnera une force supplémentaire. Les personnes veulent faire ça, mais parfois, elles ne peuvent pas le faire. Parfois, à cause de leur propre faiblesse. Donc, ils ont la réalisation. Mais parfois, c'est une habitude dont ils ne peuvent pas
Donc, dans cette habitude dont ils veulent se débarrasser, ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Et grâce à l'incarnation des bénédictions, ils recevront les bénédictions nécessaires. Et parce qu'ils reçoivent le pouvoir dans ces bénédictions, ils pourront faire de meilleurs efforts. Donc, réfléchissez tous à la générosité. Gardez la générosité dans votre conscience. Et voyez comment les pensées créées sont basées sur la générosité pour que nos paroles et nos actions deviennent aussi généreuses. On doit rêver. Pensées, paroles et actions, on doit être dans le niveau Siddhi Svarup. Une image de générosité. Moi, l'âme, j'ai des sentiments élevés et des souhaits élevés, des sentiments élevés pour chaque âme.